Bonjour, protéger au moins 30% de la planète, terre et océan, d'ici 2030. C'est la proposition faite cette année par les Nations Unies dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, une convention internationale qui mobilise les chercheurs et les acteurs de la protection de la biodiversité. Alors, à l'instar du climat, vous savez qu'on a cette célèbre limite des 2 degrés de réchauffement, hein, qui est un indice. La biodiversité pourrait avoir son propre chiffre, 30%, un chiffre clé, un indicateur, une cible en fait concrète qui lui a fait défaut finalement lors de cette dernière décennie, notamment entre 2010 et 2020. Alors en termes de politique internationale, justement maintenant on est un petit peu à mi-chemin, une période charnière, puisqu'on est en pleine COP15. La COP15 c'est la conférence des parties, la 15e sur la biodiversité. Et on est entre une première phase qui a eu lieu à Kunming en Chine, dans laquelle on a commencé à établir des textes et notamment à un petit peu parler de cette question des 30%, mais pas assez. Et à une seconde phase, cette fois-ci qui sera la phase d'adoption du texte définitif par l'ensemble des pays au printemps prochain. Alors, en parallèle avec ce débat politique international, nous, on a choisi de, aujourd'hui, traiter cette question des 30% avec notamment plusieurs questions de fond. Alors, par exemple, à quelle échelle globale ou locale est-ce qu'on doit penser ces 30%? Quelle est la capacité d'action en fait, qu'on a au niveau international par rapport à des actions qui sont plus concrètes avec les populations? Comment finalement cet objectif des 30% il est perçu au Sud par les partenaires et où on a finalement une grande part de la biodiversité? Qu'est-ce que ça signifie finalement? Qu'est-ce que ça signifie de protéger la biodiversité? Quel est le niveau de protection que l'on vise, notamment dans les pays du Sud? Et si on protège finalement 30%, ben, qu'est-ce qu'on fait des 70% du territoire qui ne sont pas protégés? Voilà, ce sont autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission, cette nouvelle émission Hello World, spéciale biodiversité. Alors, une émission qui va être organisée autour de deux temps. Tout d'abord, on aura un premier temps qui s'appelle Hello Science, dans laquelle nous allons poser les grands défis de cette thématique et sur laquelle certaines personnalités vont présenter, je dirais, les bases conceptuelles pour comprendre cette thématique des 30%. Et ensuite, on aura une deuxième partie qu'on appelle Hello Solutions, dans laquelle on ira véritablement sur des problèmes concrets, de voir comment concrètement on peut proposer des solutions durables pour la protection de cette biodiversité. Alors, pour parler de cette thématique des 30%, aujourd'hui, j'ai vraiment la joie d'accueillir quatre personnalités qui sont avec moi soit en visioconférence, soit directement en présentiel. Alors, on accueille Julia Marton-Lefebvre, qui est écologue, ancienne directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous avez sans doute entendu parler de l'ancienne conférence qui a eu lieu à Marseille le mois dernier. Nous recevons également Dorothy Wanja Ningji, qui est spécialiste de biodiversité aquatique, qui est directrice du département d'ichtyologie des musées nationaux du Kenya. Et enfin, Stéphanie Carrière. Stéphanie, qui est ethnoécologue, qui est directrice de recherche à l'IRD dans un laboratoire qui s'appelle SENS, qui est justement ici, basé à Montpellier. Alors, vous allez voir des séquences avec des témoignages des citoyens du monde, aussi bien en Afrique et dans la zone Pacifique, qui vont nous parler aussi concrètement de cette problématique de la protection de la biodiversité. Et bien sûr, ben, aujourd'hui, en grande première, vous, le public. Donc, nous sommes accueillis au lycée Frédéric Bazille Agropolis. Merci beaucoup d'être de votre présence. Un public composé de chercheurs, de jeunes chercheurs aussi, et d'étudiants, à la fois en école prépa ou d'étudiants de BTS. Donc, nous allons converser avec vous tout au long de cette émission, notamment lors de deux temps. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous commençons avec Hello Science. Pour introduire cette séquence Hello Science, je vais directement passer la parole à Julia Marton-Lefebvre. Julia, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, je vous laisse la parole peut-être pour présenter un petit peu globalement la notion d'air protégé, la notion de protection à une échelle internationale et aussi donc ce défi des 30%. Julia, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, ce que je voulais parler un tout petit peu, je voulais parler de l'histoire, de tout ça. Comment est-ce qu'on est arrivé ici? Et vous allez entendre un petit leitmotiv, c'est que nous sommes très bons à faire des promesses, des grandes déclarations, mais peut-être un peu moins bien en tant qu'êtres humains pour la suivi. Donc, je vous rappelle que la Convention pour la biodiversité, le CBD, comme on l'appelle en anglais, a été suggérée par les membres de l'UICN dans les années 80
et finalement été formellement créée lors de la réunion à Rio en 92 sur l'environnement et le développement. Alors, juste un peu d'histoire pour illustrer combien on fait des déclarations. Et donc, en 2000, on a adopté, enfin nous, les gouvernements membres des Nations Unies, ont adopté les objectifs de millénaire pour le développement, Millennium Development Goals en anglais, et il y a 8 objectifs adoptés à New York par les membres des gouvernements, mais il n'y a vraiment rien sur la biodiversité. Il y a un seul objectif qui parle de assurer un environnement humain durable. Je crois que ça, c'était notre objectif pour l'environnement. Après, en 2002, les gouvernements ont adopté les objectifs 2010 pour la biodiversité. Et tout ça s'était fait, encore une fois, aux Nations Unies. Et c'était encore une fois approuvé par le gouvernement au Sommet mondial pour le développement durable en 2002. Et ces objectifs étaient très, très ambitieux, comme toujours, une réduction significative du rythme actuel d'appauvrissement de la biodiversité au niveau mondial, etc. Très, très impressionnant. Mais déjà en 2008, on s'est rendu compte que nous n'allons pas du tout arriver à ces objectifs. Et donc en 2010, encore une fois, la conférence des parties, qu'on appelle en anglais le COP, de la Convention pour la biodiversité, le CBD, s'est tenue à Nagoya. Enfin, j'y étais aussi, mais c'était les gouvernements qui ont adopté un plan stratégique pour la biodiversité jusqu'à 2020. Il y avait 20 objectifs d'Aichi, qui était la préfecture au Japon où on était. Et là, on a commencé à parler des aires protégées. Donc, après beaucoup de discussions, les gouvernements se sont mis d'accord de protéger 10% des aires marines. À l'époque, il n'y avait que 2% protégés et 17% des aires terrestres. À l'époque, il y en avait 12. Alors, maintenant, pour parler des aires protégées, il ne faut pas simplement dire que voilà un aire protégé, mais il faut vraiment dire, expliquer comment on protège. Le management, très important. Donc, encore une fois, des grands objectifs d'ici à 2020, etc., etc. C'était très ambitieux, mais à 2020, on s'est rendu compte qu'on n'est pas du tout arrivé à ces 20 objectifs d'Aichi. En 2015, je vous rappelle, les gouvernements se sont mis d'accord sur 17 objectifs pour le développement durable, y compris, bien sûr, il y en avait l'objectif 14 sur la vie aquatique, c'est-à-dire conserver et exploiter de manière durable les océans. Je vous rappelle que les océans, ça fait à peu près 72% de notre planète. Et un objectif terre, l'objectif 15, vie terrestre, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable. Je dois vous avouer que nous avons essayé d'avoir un seul objectif pour les mers et la vie terrestre, mais ça n'a pas marché. Donc, je vous rappelle aussi que ça, c'est important. En 2012, le IBES a été créé. C'est la plateforme biodiversité, plateforme science et politique. C'est vraiment comme le GIEC pour la biodiversité. Le GIEC, ça c'est pour le climat. Le GIEC a été établi en 88, tandis que ça a pris très, très longtemps pour la communauté biodiversité de s'organiser en 2012. Et en 2019, la première évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques a été publiée. Et ce rapport, comme on pouvait imaginer avant, était assez fort en disant que le taux d'extinction des espèces est sans précédent et qui s'accélère et la réponse mondiale actuelle est insuffisante. Ça, c'était en 2019. Mais alors, ça, c'est notre problème. C'est insuffisant. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, 2020 devrait être ce qu'on appelait en anglais le super year, l'année super, l'année forte
pour la biodiversité. Évidemment, il y a eu la pandémie, d'ailleurs tout à fait liée aux questions de la biodiversité. Et donc, on a commencé à agir en 2021. Vous savez qu'il y a eu le congrès du ICN à Marseille. La Manifeste Marseille est un document important qui parle de cet objectif de protéger 30% de la planète d'ici 2030. 30% des aires terrestres et 30% des aires marines. Alors, je pense que peut-être la chose la plus importante, et il faut qu'on revienne pendant notre discussion, c'est que dans le Manifeste de Marseille, c'est qu'il y a vraiment les liens indissociables entre la biodiversité, la santé et le climat. Et donc, enfin, l'UICN a parlé de ça. D'ailleurs, c'était l'UICN qui a inventé cette phrase qu'on utilise beaucoup maintenant, les solutions amenées par la nature. Donc, le CBD, le 15e CBD, donc n'oubliez pas que la convention a été créée en 92. On a eu 15 COP. C'est pas comme le climat qui a des COP chaque année. Biodiversité en a tous les deux ans. Alors, donc, il faut encore des nouveaux objectifs et un nouvel accord mondial pour 2030. Donc, le COP 15 se passe en deux temps. Il y a eu une première partie au mois d'octobre en Chine, ça va continuer en 2022, encore une fois en Chine. Il y a eu une déclaration de Kunming, la ville où se passe cette réunion, et qui a parlé des objectifs. Il y a 17 grandes directions avant l'élaboration d'un nouveau cadre de protection de la nature. Et je dois vous dire, et ça, il faut qu'on en parle maintenant, c'est que l'objectif de protection de 30% des terres et mers, ce qu'on attend de la COP 15, est à peine mentionné dans la déclaration de Kunming. Donc il faut, et je crois qu'on va en parler, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de communautés locales qui sont ignorées dans ces 30%. Donc, les régions les plus riches en biodiversité sont celles où vivent encore des peuples autochtones. Et elles seront probablement ou possiblement les premières zones ciblées par les mesures de conservation, donc la protection de 30%. Et il y a des ONG qui disent que c'est la création de ces aires protégées sont rarement réalisées avec les consentements des peuples autochtones et dans le respect de leurs droits humains. On va revenir ici, mais je pense que c'est important de savoir que cette proposition, qui à mon avis, si ça marche bien, serait importante, mais il faut absolument qu'on aille au-delà des promesses. C'était 10% et 17%, maintenant c'est 30 et 30. On n'a pas tellement réussi avec 10 et 17. On a quand même fait du progrès. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, deux messages clés pour moi maintenant, c'est que premièrement, les questions biodiversité et climat, pour juste en parler deux, mais il y a aussi la santé, il y a l'agriculture, qui sont traitées séparément partout, dans les gouvernements, dans les universités, dans les écoles et certainement dans l'Organisation des Nations Unies. Il faut qu'il y ait un changement de gouvernance. Quand nos chefs d'État disent que ces questions sont inextricablement liées, très bien, ils ont raison, mais alors comment faire pour que ces discussions se passent dans la même pièce, avec les mêmes délégations? Et l'autre chose, évidemment, et ça on entend dans les rues de Glasgow aujourd'hui, c'est que peut-être assez de promesses, des promesses magnifiques, et plus d'actions. Et ça, c'est notre défi. Donc je m'arrête là, et je me réjouis de la discussion qui va suivre.
Merci beaucoup, Julia. C'était effectivement très important, je pense, de rappeler cet historique. On est avec un jeune public aujourd'hui et je pense que c'est important de montrer que ce n'était pas tout le temps gagné, ce combat pour la biodiversité. C'est relativement bien compris maintenant, mais c'est un long chemin avant de pouvoir justement aller dans ces hautes sphères politiques. Et je pense que c'est très important que tu puisses le rappeler. Je vais maintenant laisser la parole à Wanja qui va peut-être nous brosser, je dirais, une vision un petit peu différente. Notamment, Julia a parlé de comment on protège, comment on crée ces zones protégées. Voilà. Wanja, je te laisse la parole. Merci beaucoup à tous. Je m'appelle Wanja, je suis chercheuse au Kenya. Je travaille au Musée national du Kenya où je suis ichtyologue. Aujourd'hui, je vais parler sur la biodiversité et, avec un point de vue de gens, le lien entre les gens et la nature, avec des exemples de notre travail au Kenya. Comme j'avais dit, je travaille au Muséum national du Kenya, qui est le plus grand muséum, le plus grand musée de l'Est, de l'Afrique de l'Est et centrale. Notre travail est sur la biodiversité, mais aussi sur la culture. On a plus de 4,6 millions d'échantillons, de collections dans notre musée qui montrent la richesse de biodiversité de régions d'Afrique de l'Est et centrale. Et notre travail, y compris aussi une responsabilité pour le public de montrer la richesse de culture et de biodiversité et le lien entre nos cultures et la nature. Par exemple, pour nous, dans le département d'ichtyologie, on a commencé, on a retrouvé en fait une exhibition de, qu'on appelle Hall of Fishes. Dans cette exhibition-là, on montre pas seulement les poissons, la diversité des poissons au Kenya, mais aussi les cultures liées à ces diversités. Parce qu'on veut montrer aujourd'hui que les gens et la nature sont liés. Et cette liaison nous donne pas seulement l'information sur les échantillons, les diversités, mais aussi l'information sur la pêche et comment assurer que les gens, les communautés locales, les citoyens trouvent un moyen de participer, une participation dans notre travail de conservation de biodiversité. Pour ça, c'est avec un but de montrer que les paysages sont les paysages de nature, y compris les gens. Que les gens font partie de nature et que ce lien-là est très important pour la conservation. Un autre travail qu'on essaie de faire, c'est de créer une connaissance de plusieurs taxa de biodiversité, comme par exemple, on fait des guides sur les poissons, sur les oiseaux et d'autres espèces pour donner les citoyens qui n'ont pas le moyen de voyager dans plusieurs endroits une vue de richesse de notre biodiversité. Je vais présenter sur certains projets qu'on a fait avec plusieurs institutions internationales, européennes, africaines, sur les deltas, les zones humides, sur la côte d'Andean, l'océan Andean. Du coup, on a quatre rivières qu'on étude, le Tana qui est au Kenya, le Rufiji qui est au Tanzanie, Limpopo au Mozambique, Betsiboka à Madagascar. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les deltas sont les endroits qui ont besoin d'une connectivité entre d'eau douce et de l'eau salée de marin. Du coup, cette notion est très importante qui est
pas bien compris. Et c'est pour ça qu'on a commencé ce genre de projet, c'est pour montrer les écosystèmes des zones inondées, montrer que cet écosystème-là a pas seulement la diversité très riche, mais cet endroit-là sont très importants pour la vie des gens là, pour les activités traditionnelles de l'agriculture, des gens qui utilisent les forêts, la pêche, mais aussi des éleveurs de vaches. Et toute cette diversité-là a besoin d'approches, de méthodes multidisciplinaires. Et du coup, on travaille avec plusieurs disciplinaires, les anthropologues, les géographes, les ichtyologues comme moi et d'autres, pour pouvoir avoir une vue plus grande de ces écosystèmes-là et ce qu'il faut pour leur conservation. Par exemple, pour moi, comme ichtyologue, je regarde les poissons de plusieurs endroits. Pour les deltas, on voit par exemple dans cette image-là qu'il y avait une plus grande diversité de certains lacs en 2001, mais en 2006 à 2008, il n'y avait qu'une seule espèce. On voulait savoir ce qui s'est passé pour que tout ait rétabli en 2010, mais c'était qu'en 2008, 2009, il y avait les associations des pêcheurs qui sont venus pour voir pour comment conserver l'écosystème pour les bénéfices de poissons, mais les bénéfices de pêcheurs aussi. Du coup, c'est ce genre de science qu'on essaie de montrer l'importance de gens. On essaie de voir est-ce que les rituels customaires traditionnels entre les agriculteurs, les pokomos, qui ont utilisé le côté de rivière de l'est, d'ouest, et les éleveurs qui ont utilisé le parti est, comment c'était leurs accords pour partager l'écosystème. On avoue que c'était une forme de solidarité. Les décisions qui ont été faites par les elders, les vieux de chaque village, comment partager l'eau et comment partager les écosystèmes. On essaie de voir comment ce genre de décisions puissent être rétablies dans notre époque. Comment est-ce que les gens puissent travailler ensemble avec les chercheurs, avec d'autres pour établir des zones protégées. Par exemple, ce delta-là au Kenya, le delta de Tana, a été protégé en 2012. Après plusieurs années de promesses par le gouvernement, quand les gens ont travaillé bien avec les chercheurs, on a travaillé avec les agences internationales, mais aussi les agences gouvernementales, pour voir ce que c'était la valeur de ce delta-là. Et maintenant, aujourd'hui, ce delta est venu une zone de reconnue internationale par la convention de Ramsar. En anglais, on dit Wetland of International Importance. Ça veut dire que cet endroit-là est bien protégé maintenant par cette convention. Et maintenant, le gouvernement et les gens qui habitent là doivent travailler ensemble pour maintenir les écosystèmes, pour maintenir la zone d'inondation que la biodiversité et les gens dépendent. Il y a beaucoup de causes de perte de biodiversité et des écosystèmes là. Par exemple, l'érosion côtière qui devient plus en plus fréquente. Il y a l'eau marron salée qui entre sur l'eau douce. Et ça, en fait, crée un problème pour les biodiversités qui a besoin, qui dépendent d'eau douce. Dans cette delta, on a aussi des problèmes que
quand la rivière change, comme d'habitude dans les deltas, les gens qui ont devenu sédentaires commencent à essayer de couper la rivière pour que la rivière reste dans les endroits de village, etc. Mais notre travail, on se demande des questions, par exemple, comment est-ce qu'on peut réparer les services écosystémiques pour tout, pour les pâturages, pour l'agriculture, les pêcheurs, les gens qui dépendent de tous ces écosystèmes-là, même pour l'eau. La question qu'on se demande, c'est comment assurer que la communauté locale participe et devient même un moyen de change pour la sustainabilité. Et on utilise le principe de co-management, c'est-à-dire de gérer l'écosystème ensemble. Et ce genre de système, il faut vraiment trouver les méthodes participatives, les méthodes de travailler avec les gens locaux, les communautés locales, la recherche, pour que les gens qui travaillent là, qui restent là toute l'année, puissent être aussi les scientifiques citoyens, qu'ils puissent aider à la science pour les données, mais aussi pour planifier comment est-ce qu'on va utiliser cet endroit, cet paysage protégé. Et il faut vraiment aussi trouver les moyens de dialogue, trouver les moyens que les gens puissent se parler, mais aussi parler entre les scientifiques et les agences de gouvernement pour pouvoir trouver les solutions qui puissent être positives pour tout le monde. Et pour ça, on a pu trouver les séminaires, les workshops, qu'on puisse amener tous les gens, tous les acteurs ensemble pour parler de l'eau, de paysage et les gens. Comment ce lien puisse rester respecté par tout le monde. Et comme on a entendu tout à l'heure que le COP 15 sera l'occasion d'accueillir un nouvel accord pour la biodiversité. Pour ça, il faut vraiment, pour les gens locaux, que cet accord respecte plusieurs choses. Par exemple, l'accès et le bénéfice aux gens locaux. Du coup, pour les scientifiques, il faut vraiment que toute la recherche qu'on fasse ait un angle, un bénéfice pour les gens locaux, un respect pour les gens qui restent, qui travaillent et qui dépendent des biodiversités dans ces milieux. C'est très important que ça soit respecté. Et le nouvel accord puisse changer des idées des années avant où les grandes industries de biotech et d'autres ont venu dans les paysages comme les grands lacs et les paysages des pays de développement pour trouver des bénéfices et de ne pas partager. Un exemple, c'était en 82, quand l'Université de l'Est a trouvé un micro-organisme qui a une enzyme pour les antibiotiques, mais pour les produits de nettoyage. Et ces compagnies-là, on puisse avoir des grands profits sur ces données-là et les recherches qu'ils ont puissent faire. Mais quand le gouvernement de Kenya a poursuit pour les bénéfices aux gens, les bénéfices sont venus très, très peu parce qu'il n'y avait pas un accord global pour respecter les droits des communautés locales. Du coup, c'est très important de trouver un moyen de respecter
pas seulement la nature, mais les gens, les peuples. Et on parle souvent des Sustainable Development Goals et comment c'est important que la biodiversité soit une base pour pouvoir accomplir tous les goals. Pour cela, il faut vraiment trouver comment appliquer tous les travaux qu'on fait, tous les collaborations pour assurer que le citoyen comprend bien ce que c'est les goals, comprend bien ce que c'est la conservation et le but de cette conservation et comment ça sera un bénéfice pour tout. Donc, je m'arrête là et merci beaucoup. Merci beaucoup, Wanja. Je pense qu'on a bien compris justement avec ce problème très concret du Delta comment ça se fait. On a vu, ça prend beaucoup de temps. Wanja a beaucoup plus parlé finalement de personnes. Elle a parlé de dialogue, de solidarité, d'éleveurs de vaches, de partage de l'eau. C'est ça en fait, construire des espaces protégés. Et aussi, ce qui était intéressant, je pense, c'est ce lien qu'elle a commencé à faire. Notamment, Julia avait dit, c'est dommage qu'on n'ait pas l'ODD 14 et 15 ensemble. Et Wanja nous a bien montré que typiquement sur un estuaire, ben, le milieu marin et le milieu terrestre, ce sont des milieux qui sont ensemble, et donc il faut aussi qu'on arrive à prendre en compte cela. Alors, je vais vous passer la parole maintenant à vous, public, prendre une question dans le public pour une de nos deux spécialistes. Voilà, lâchez-vous ce que vous avez envie de poser comme question, soit à Julia, soit à Wanja. Je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci pour ces deux présentations et puis pour cette introduction. Je suis complètement d'accord avec le fait que la création d'aires protégées passe par une recherche en fait, qui travaille à l'échelle socio-écologique, hein, à l'échelle de ces systèmes. Et vous avez montré de très beaux exemples au Kenya. Je pense qu'il y a une vraie transition au niveau de notre approche scientifique en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de connaissances justement intégrées qui est produite en prenant en compte les aspects sociaux et écologiques. Et ma question, c'est quels sont à l'heure actuelle les points de blocage qui vont causer cette inertie au niveau de l'action des gouvernements pour la création d'aires protégées? Est-ce que c'est parce que cette connaissance scientifique n'est pas transmise suffisamment au gouvernement, ou est-ce qu'il y a des points de blocage, et ça c'est peut-être une question plus pour Madame Martin Lefebvre, qui se situe au niveau des systèmes de gouvernance en place, vous l'avez évoqué, avec des changements de ces systèmes qui sont sans doute la clé pour les années à venir. Merci beaucoup, Paul. Julia, peut-être un début de réponse, une question compliquée? Oui, merci. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je pense que le fait qu'on travaille tous dans les silos, j'espère que pas là où vous êtes actuellement, mais certainement le système de gouvernance travaille dans les silos. Donc, Wanja a bien illustré combien c'est important de parler avec des gens qui vivent dans ou près des aires protégées. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils vivent, quelles sont leurs expériences, et cette conversation n'a pas lieu très souvent. Ou bien, si ça a lieu, comme Wanja a expliqué, ça ne va pas assez haut, j'aime pas ce mot haut parce que c'est pas au niveau du gouvernement, qui va négocier à New York ou à Genève ou dans les instances internationales. Et ça, il faut absolument essayer de changer. Qui est-ce que représente les pays dans les instances intergouvernementales? Et c'est souvent pas les gens qui sont des gens locaux qui connaissent les problèmes, les défis et les solutions. Juste une chose qui est, à mon avis, une bonne nouvelle, c'est qu'après beaucoup d'années de discussions, l'UICN à Marseille, les membres de l'UICN ont accepté d'inclure parmi les membres sont les gouvernements ou bien les ONG, mais les gouvernements, en principe, c'est les capitales. Et donc, ils ont accepté d'inclure les communautés locales comme membres. Ça peut être une ville, ça peut être une région, un canton, une communauté qui peut devenir membre avec le droit de vote, le droit de décision dans cette organisation très compliquée et très, très intéressante, parce que c'est la seule organisation
qui a les membres ONG, non gouvernementales et gouvernementales. Donc, il y aura maintenant aussi les communautés locales qui vont pouvoir venir. Mais ça, pour moi, ça c'est vraiment le plus grand problème. On peut aller au-delà aussi pour parler de gouvernance. Finalement, les entreprises qui font beaucoup de choses maintenant, et pour la biodiversité et pour le climat, sont toujours à l'extérieur. Bon, ils travaillent de plus en plus parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas simplement le profit. La planète, les personnes, les êtres humains et le profit. Mais sans les deux autres P, ça ne marche pas. Donc, comment est-ce qu'on peut repenser notre système de gouvernance au niveau national, même local, et certainement international, pour que ça soit plus inclusif? Et ça, c'est le défi de la proposition de 30 et 30 pour en 2030. Effectivement, donc avoir plus de populations locales qui soient présentes dans ces débats. Je ne sais pas s'il y a une autre question peut-être pour Wanja. Oui, merci beaucoup. Vous avez très bien posé, clairement le problème, le défi de la création de ces aires protégées. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question de la gestion de ces aires protégées. Comment vous l'envisagez, Wanja? Pour ces gestions-là, en fait, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Julia. La manière qu'on... il faut s'entourager la manière de communiquer la science. Parce que pour la science de protéger les zones humides, les zones protégées, il faut bien trouver un moyen d'inclure les connaissances traditionnelles. Et on n'a pas encore trouvé comment faire la liaison entre la science, comme on connaît aujourd'hui, la science moderne, et la science traditionnelle. Il faut qu'on trouve un moyen que la science traditionnelle fait partie de la gestion. Les politiciens ne comprennent pas encore dans plusieurs pays, en fait, pas seulement en Afrique, que la science locale est très importante, la connaissance locale est très importante pour la gestion. Parce qu'on n'a pas trouvé comme chercheurs un moyen nous-mêmes à communiquer ces connaissances-là, parce que, par exemple, il y a des connaissances dans des langues locales, il y a la connaissance qui ne peuvent pas être, qu'on ne peut pas trouver l'évidence, comment on dit ça, évidence, qu'on ne peut pas trouver les preuves scientifiques, mais en fait, ce qui est très important de savoir, c'est que ce genre-là, les gens locaux, les gens indigènes, ont trouvé des moyens de survivre avec leur propre écosystème pendant des années, pendant toute l'existence des gens, de l'homme dans ces paysages. Du coup, il y avait les connaissances locales sur qui ont aidé aux gens de survivre, mais aussi de trouver les moyens de trouver des médicaments pour leur santé, pour leur nourriture et pour toute leur vie. Ces connaissances-là deviennent plus en plus reconnues, mais le gap qui existe, c'est qu'on ne sait pas encore comment utiliser cette connaissance-là pour la gestion. Merci beaucoup, Wanja. Je pense qu'effectivement, c'est un défi clé de pouvoir mieux utiliser toutes ces connaissances locales. Alors, je voudrais continuer dans l'émission, aller dans la deuxième partie de l'émission Hello Solutions pour essayer de voir véritablement concrètement ce qu'on peut faire. Et pour introduire cette session, je vous propose de visionner une vidéo hip-hop. Hip-hop, ce sont les petites ondes participatives que l'IRD produit en partenariat avec RFI et Planète Radio. Et on va regarder un reportage de la mangrove en Nouvelle-Calédonie, un reportage de Monique Mapéry, Jean-Noël Lepeu et Athanase Teuyepen. C'est plus comme avant. Quand je vois ça, c'est... Maintenant, je ne sais plus comment on va dire ça, mais voilà. Je ne sais pas comment on va dire ça.
C'est écœurant. J'ai demandé à mon père un jour, est-ce qu'ici au bord de mer, il n'y avait pas une mangrove? Et puis c'est là que mon père m'a raconté cette histoire-là. Et cette histoire-là, depuis longtemps, il y avait une mangrove ici. Elle a été détruite par un tsunami. Et puis là, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de la restaurer, cette mangrove, et retrouver la mangrove d'avant. Avant, on pêchait sur le littoral. Maintenant, il faut aller au large, hein, pour aller chercher les poissons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on plante là, on est en train de planter les... C'est pas les tuvises, c'est pour faire revenir le poisson. Le poisson, c'est le palais du vieux, c'est nurserie, plus c'est nourricière. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends cette propagule-là, c'est pour que le poisson puisse revenir. Vous avez deux ici derrière moi, un au bout là-bas, et puis là dans l'embouchure. Là, c'est là où on voit qu'il y a eu un dégât. Dégât de tsunami. Là, j'ai pensé le restaurer. Là, c'est pas que j'ai pensé, mais j'ai commencé à le restaurer. Là, vous avez juste derrière vous, depuis l'année dernière, j'ai commencé à planter. Et j'ai pensé, je vais continuer à faire tout le long. Je vais protéger ma tribu de tous ces montées des eaux, les fléaux qui se passent, les fléaux naturels. Je vais essayer de protéger ma tribu pour que mes parents et mes frères et sœurs qui sont sur le bord de mer puissent vivre tranquillement. Voilà. Voilà, un reportage très émouvant, effectivement, et je pense que si plusieurs de nos chefs d'État pouvaient regarder ce type de reportage, ça changerait peut-être aussi leur manière de voir les choses. Peut-être, juste brièvement, avant de passer la parole à Stéphanie, en une minute, avoir recueillir votre ressenti, notamment Wanja. Je sais que cet écosystème de mangrove vous tient particulièrement à cœur. Je pense qu'il y a peut-être des parallèles à faire entre la Nouvelle-Calédonie et justement l'Est de l'Afrique, notamment sur des solutions durables, parce que cet homme s'adapte au changement de son écosystème et propose des solutions durables et relativement positives. Peut-être brièvement une réflexion par rapport à ça. Oui, c'est très émouvant en fait de voir le témoignage des gens qui habitent dans ces endroits-là, parce que pour plusieurs gens, en fait, les mangroves sont les arbres, mais en fait, pour ces gens-là, c'est une mode de vie, c'est leur vie. Sans les mangroves, il n'y a pas de poissons, il n'y a rien, il y a même quand on voit cet endroit-là, c'est vraiment c'est un désert. It's a desert. And au Kenya, on a des endroits comme ça aussi. Il y a plusieurs projets qui essaient de trouver des moyens de restaurer les mangroves. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut bien qu'on voit des mangroves comme un écosystème qui est plus grand que les herbes. Les mangroves sont les poissons. Les poissons qu'on mange viennent de là. Les mangroves sont un moyen de régler le climat. Donc il faut vraiment voir des mangroves plus larges. Et ce qui est intéressant dans le reportage, c'est juste comment qu'on voit aussi cette personne qui connaît ça, enfin par rapport au tsunami, par rapport au fonctionnement de la mangrove, les nurseries, etc. Il est au courant de tout ça. Et Julia, du coup, par rapport à ce reportage, c'est vraiment ces connaissances locales aussi qui sont très importantes et qu'on néglige souvent dans ces grandes conférences ou dans ces endroits-là. Et je sais que, par exemple, dans l'ancienne conférence UICN, on voyait ces connaissances locales qui venaient avec des gens qui présentaient ce qu'ils savaient aussi. C'est quelque chose d'important. Oui, je voudrais juste ajouter deux mots maintenant au niveau global. Simplement, juste ajouter que les mangroves aussi protègent les côtes. Donc, encore un service écosystémique, les poissons, la protéine, etc. J'espère que, enfin, ceux qui sont dans l'assistance, il faudrait lire le rapport Dasgupta Review qui est sorti l'année dernière, non, cette année, pardon, qui est un peu comme le rapport sur le climat et l'économie qui est sorti il y a plusieurs années. Mais dans ce rapport, on parle des mangroves aussi, mais l'idée, c'est
qu'on inclut la richesse en nature des pays dans la façon dont on arrive à, au PIB, le produit intérieur brut, qui ne compte pas du tout ceci. Donc, les pays qui protègent leurs mangroves, par exemple, et les forêts, etc., peuvent avoir leur capital naturel va être reconnu. Moi, je suis tout à fait pour ça, pour qu'enfin on sache combien c'est important de protéger les mangroves, les forêts, etc. Et tout ceci, enfin beaucoup de ceci vient des connaissances locales. Oui, c'est important, effectivement, un capital naturel qui pourrait faire le lien finalement entre ce que valorisent les populations locales et aussi le remettre dans l'équation de l'économie un petit peu folle internationale qui règle plusieurs des grands enjeux. Merci beaucoup pour ces réflexions. Alors, on l'a compris véritablement, protéger ces zones, ça veut dire travailler avec les communautés locales, essayer de mieux les comprendre, comprendre la relation qu'il y a entre usage et biodiversité. Et justement, donc, on reçoit aujourd'hui, merci encore Stéphanie d'être avec nous, une spécialiste, je dirais, de ces interactions, puisque une ethno-écologue, c'est justement travailler entre les aspects, je dirais, des communautés locales et les aspects plus écologiques. Et donc, on va partir sur un autre socio-écosystème, partir sur Madagascar. On était avant sur les mangroves. Et voilà, donc je te laisse la parole pour nous présenter un petit peu ce que tu fais par rapport à ça et en résonance, finalement, avec ce débat qu'on a commencé à ouvrir sur ces socio-écosystèmes, donc cette compréhension intégrée des populations et de la nature. Merci, Olivier. Donc, effectivement, on va partir à Madagascar. Madagascar, où la diversité est omniprésente, elle est à la fois d'ordre biologique, climatique, écologique et bien sûr culturelle. Et à cela, finalement, correspond une immense diversité de situations socio-environnementales, de types de paysages et donc de problématiques en lien avec la conservation de la biodiversité. Donc nos travaux en ethnoécologie et dans nos équipes visent à documenter la diversité des pratiques et des interactions entre les populations et leur environnement, et notamment les interactions qui visent, qui sont nécessaires à leur survie. Ça peut être la cueillette, la pêche, la chasse, mais aussi bien évidemment les pratiques agricoles et celles d'élevage qui leur permettent de se soigner, de se nourrir, de construire des outils et des habitations, mais aussi de renforcer la cohésion sociale de ces populations. Alors, chacune de ces pratiques peut avoir des effets différents sur le type de milieu dans lequel elles sont menées, selon le type d'écosystème et sa résilience, qui est différente selon qu'on est dans des forêts sèches ou des forêts humides, selon les modalités de leur mise en œuvre, l'intensité des pratiques ou leur fréquence, mais aussi en fonction des objectifs recherchés. L'autosubsistance ou la culture de rente n'aura pas le même effet. Donc tous ces éléments, toute cette diversité contribue à configurer des modes d'interaction entre les populations et la biodiversité, des facteurs d'évolution et des boucles de rétroaction sur l'environnement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des facteurs externes qui peuvent également jouer un rôle sur ces interactions. Donc tout ça pour dire qu'avec cette diversité de situations, on voit très facilement que les impacts des activités humaines peuvent être très différents selon les régions dans lesquelles on se trouve à Madagascar. Et que finalement, les besoins en matière de conservation ne sont pas forcément du tout les mêmes. Donc, avec nos travaux, nous avons également observé, en lien avec le domaine de la conservation, une forme de standardisation, voire d'homogénéisation des discours sur la déforestation, et voire aussi sur les solutions à y apporter. D'ailleurs, le plus souvent, l'activité des populations est vue comme la première cause de déforestation. Pourtant, on laisse souvent de côté qu'il y a d'autres causes qui peuvent se cacher derrière cette crise de biodiversité. Par exemple, l'exploitation illégale du bois, des bois précieux, l'agrobusiness ou l'exploitation minière, pour ne citer que celle-ci. Donc, face à la diversité des situations, de ces causes directes ou indirectes, eh bien, les politiques et les outils de conservation qui sont mis en œuvre depuis plusieurs décennies sont, eux, bizarrement, assez peu diversifiés. Donc, au premier rang de ces outils, les aires protégées. Alors, à Madagascar, elles sont parfois efficaces, mais pas toujours. Mais en tout cas, on peut se demander, finalement, comment apporter des solutions efficaces et justes avec un diagnostic qui, en général, est très normalisé, très homogène sur ces situations locales. Et quel peut être l'effet d'une aire protégée fondée sur des principes relativement prédéterminés, le plus souvent pensés à des échelles globales. Donc, on peut se poser ces questions-là.
Alors nos travaux, à nous, depuis près d'une vingtaine d'années à Madagascar, visent justement à renseigner et à comprendre les besoins des populations, la diversité des besoins des populations, la diversité des modes de vie, des pratiques et des perceptions de la nature. Et c'est ainsi que nous avons pu montrer toute la richesse de la diversité bioculturelle, des connaissances et des interactions avec la forêt. Nous avons notamment montré que certaines de ces pratiques peuvent contribuer au maintien de la biodiversité dans les espaces cultivés. Par exemple, le maintien d'arbres, de haies, peut contribuer à maintenir de la biodiversité. Et biodiversité, d'ailleurs, qui peut entrer en interaction avec la biodiversité des aires protégées. Donc, toutes ces pratiques que nous avons documentées peuvent être utiles pour inspirer des solutions pour contribuer à garder la biodiversité dans ces espaces ruraux. Notamment, en matière de restauration écologique, un grand nombre de ces pratiques sont utiles. Alors, pour l'amélioration des systèmes de production, il me semble primordial de valoriser et de conserver ces savoirs empiriques, ces pratiques traditionnelles, tout en améliorant la durabilité sociale, écologique et économique. Alors, dans ce cadre-là, nous avons monté un laboratoire mixte international financé par l'IRD, le LMI Paysage. Nous partons du principe que les aires protégées jouent un rôle, qui peut largement être amélioré, mais néanmoins qui existe. Mais nous défendons l'idée qu'il faut également reconnaître et valoriser les pratiques locales qui contribuent à la gestion de la biodiversité. C'est ce que nous disions, nous avons vu précédemment, mais qui aide également à son maintien et à sa valorisation. La biodiversité, il faut pouvoir l'utiliser. Ceci afin d'améliorer la durabilité de ces espaces ruraux, durabilité aussi bien écologique qu'économique et sociale. Donc ces paysages ruraux, une fois qu'ils sont durables, qu'ils sont écologiquement intéressants, peuvent constituer des zones tampons pour ces aires protégées, et cela même dans l'intérêt de la conservation de la biodiversité dans les aires protégées. Donc, dans le cadre de ce LMI, nous voudrions à terme coproduire avec les acteurs locaux des indicateurs de durabilité qui soient partagés, qui soient co-construits, afin d'imaginer ensemble des voies d'amélioration de ces paysages, pour éventuellement maintenir, voire restaurer un maximum de biodiversité, tout en permettant une amélioration du niveau de vie de ces populations. Excusez-moi. Donc pour conclure, je pense qu'en complémentarité des aires protégées, la qualité écologique des espaces ruraux est fondamentale pour la conservation de la biodiversité et pour la durabilité des espaces ruraux, et notamment les paysages hétérogènes, qui sont les plus à même de remplir ces rôles, parce que dans ces paysages hétérogènes, il y a une diversité d'habitats écologiques, diversité de faune et de flore, diversité d'interactions biotiques, mais aussi une grande diversité d'utilisation matérielle et immatérielle de cette biodiversité par les humains. Donc c'est en approfondissant ces liens entre savoir, pratique et dynamique de biodiversité qu'on pourra identifier au mieux les services rendus par les écosystèmes, mais aussi auxquels contribuent les agriculteurs à travers leurs pratiques et leurs savoirs. Donc, de mon point de vue, l'humanité de demain a besoin de ces savoirs qui sont issus des systèmes traditionnels pour imaginer de nouveaux modèles d'agriculture qui soient plus résilients, plus durables et plus équitables, qui sont les plus à même à mettre en synergie la conservation de la biodiversité et l'alimentation humaine. Donc, je pense que c'est aussi dans ces espaces ruraux que tout se joue. C'est aussi dans ces espaces que la participation des populations usagées de ces espaces est la plus pertinente pour imaginer avec eux, finalement, ces fameuses innovations socio-environnementales qui sont tant recherchées aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Tu l'as dit, tu commences à répondre aux questions qu'on avait. Justement, qu'est-ce qu'on fait des 70 autres? On voit que toute cette matrice agricole, c'est quelque chose de très important. On voit qu'on peut construire des solutions durables ensemble, innover. Et justement, je voulais vous présenter maintenant un reportage d'un type de solution durable. Vous avez vu qu'on a parlé beaucoup de dialogue, de comment on fait pour construire ces réserves finalement. Ben, un type de dialogue qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on appelle le théâtre forum. On va vous montrer un exemple maintenant sur du théâtre forum autour de la protection et de la préservation de semences. La biodiversité, et à ce titre les ressources génétiques, représente une ressource majeure pour faire face aux défis que rencontrera l'agriculture de demain. Elles sont donc au centre d'enjeux sociétaux et économiques impliquant des acteurs variés.
il apparaît de plus en plus nécessaire d'engager des réflexions profondes sur la relation fournisseur-utilisateur, sur l'accès aux ressources génétiques, leur utilisation et le partage des bénéfices qui en découlent. Dans l'objectif de construire une vision partagée sur ce que chacun perçoit comme étant des pratiques de partage équitables, et d'élaborer collectivement des règles partenariales dans le respect des cadres internationaux que sont le TIRPA et le protocole de Nagoya, nous avons choisi d'utiliser un médium singulier, le théâtre forum. Le théâtre forum est une forme de théâtre participatif qui a été pensée spécifiquement pour discuter des relations d'oppression, de pouvoir entre différents personnages. La pièce de théâtre forum, TIRPA Magren, a été co-construite par des chercheurs de différentes disciplines, français et sénégalais, travaillant sur les ressources génétiques. Elle a ensuite été présentée dans deux contextes différents. Dans le cadre d'un atelier multi-acteurs réunissant des acteurs de la recherche, mais aussi des représentants de la société civile venus de 10 pays, dont 8 d'Afrique de l'Ouest. Une seconde représentation a eu lieu pendant la 3e édition de la Foire nationale des semences paysannes au Sénégal, qui regroupait 310 participants, producteurs, organisations paysannes, associations, ONG. Je suis chercheur brésilien, mais actuellement je travaille au Sénégal dans le cadre d'un projet sur les semences, et le projet se nomme Lou Jiwa Sekhul Zogoufo. Répète, monsieur. Voilà, tu m'as compris. Tu m'as compris. C'est comme rectangulaire de la graine, il y aura toujours des graines. Est-ce que je pourrais te emprunter de ces graines? Il y a un cultivateur? Non. Est-ce qu'il faut sauvegarder la biodiversité agricole? Bio quoi? La biodiversité agricole ou agro-biodiversité désigne la diversité des espèces et usages des airs. Tout ça, il est compliqué pour moi. Mais ça me semble très intéressant. Mais il faut me dire, au retour, moi, qu'est-ce que je gagne? Par exemple, les semences, l'engrais avec le vite fait. La variété améliorée. Variété améliorée, c'est ça. Moi, je ne peux rien te promettre. Mais rassure-toi, ton nom sera associé au résultat. Dans la démarche du théâtre forum, la représentation théâtrale est toujours suivie d'un forum, permettant au public de donner son point de vue sur ce qu'il a vu. Pour impulser le débat, la troupe de Kadouyara réalise ce qu'elle appelle un procès. Le comportement de chacun des personnages est alors soumis à l'analyse des spectateurs. Ceux-ci sont ensuite invités, au travers de remplacements de comédiens, à expérimenter collectivement des pistes de solutions permettant d'améliorer les tensions représentées dans la pièce. Il s'agit pour vous à présent de questionner le rôle et les pratiques de chacun des personnages. Le débat est maintenant ouvert. Voilà, une expérience de débat forum qui était sur l'agrobiodiversité, mais qui finalement, on peut le relier très facilement à ce qu'on a vu avant, par exemple pour la création de zones. Alors on va poser la question à Wanga, notamment si, pour savoir s'il y a eu des terrains de forum qui ont été faits pour créer cette zone humide. Mais vous avez bien vu les mots-clés, hein, la caricature des différentes personnalités qui vont intervenir pour la protection de la biodiversité, différentes disciplines qui ont été mises ensemble pour parler de ça. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir ces deux niveaux. C'était une pièce de théâtre qui a été utilisée à la fois au niveau des politiques et aussi au niveau des acteurs locaux. Donc quand on parlait un petit peu de faire le lien entre le niveau plus politique et le niveau plus local, on a peut-être là encore une fois des outils. On a parlé tout à l'heure de l'outil de capital naturel, hein, qui pourrait être compris un petit peu aux deux échelles, mais peut-être que là on a un outil aussi avec le théâtre forum qui prend en compte finalement des acteurs très diversifiés, à la fois politiques et à la fois je dirais sur le terrain, pour faire comprendre ça. Alors Wanja, peut-être une réaction par rapport à ce théâtre forum, est-ce que vous en avez utilisé au Kenya ou qu'est-ce que tu en penses globalement? Oui, c'est vrai que le théâtre et les histoires font une grande partie des moyens, des leçons, de leçons sur la nature et sur plusieurs choses, même les éthiques. Et pour ça, en fait, ça aide beaucoup à former les visions partagées qui sont clés, en fait, parce que tous les paysages qu'on voit aujourd'hui sont formés par les gens locaux ou les communautés indigènes, soit positives ou négatives. Il faut vraiment utiliser tous les moyens qui sont localement adaptés pour créer awareness creation, pour les gens de trouver leur place dans le change.
l'échange transformatif qu'on cherche pour l'environnement. Merci. Trouver sa place, effectivement, raconter des histoires locales qui peuvent permettre aux personnes de changer peut-être leur manière de faire, leur façon de voir la biodiversité. Julia, une réaction par rapport à ces théâtres. Est-ce que tu connaissais toi-même ce genre d'approche et qu'est-ce que tu en penses globalement? Oui, non, j'ai trouvé ça très bien. Je connaissais dans plusieurs régions, j'en ai vu. Je pense que le problème, c'est que les gens comme moi, qui sont dans les grandes villes, mais toi aussi, je pense, Wanda, tu es à Nairobi, mais tu as l'occasion de sortir beaucoup plus. Donc, les gens comme moi, on n'a pas assez de possibilités de voir tout ça. Et une idée pour moi, en voyant ça, c'est, bon, déjà, tout ce qu'on avait dit aujourd'hui, c'était l'importance de l'écoute, de la dialogue et la participation. Et à plusieurs niveaux, pas simplement au niveau de village, ni simplement à Glasgow actuellement, dans les COP. Donc, ce que je pense, c'est que ce sera vraiment intéressant d'exiger qu'avant d'envoyer les délégations pour négocier les accords globaux, qu'un troupe de théâtre vient les présenter les problèmes comme ils sont ressentis au niveau local. Et ça sera une très bonne chose à introduire dans la préparation de ces discussions, puisqu'on ne peut pas dire pas tout le monde peut aller, pas tout le monde ne devrait pas voyager, on ne devrait pas voyager autant de toute manière, mais d'avoir cette occasion, je pense que ça sera un beau projet, à mon avis, qui serait apprécié aussi. Choisir un groupe de théâtre dans chaque pays qui explique vraiment les problèmes locaux. Comment ils sont connus et ressentis par les gens qui vivent avec ces problèmes et qui ont des solutions. Oui. Donc, dialogue, participation et les solutions, c'est ça ce que j'ai appris aujourd'hui. Très bien. Mais je pense qu'effectivement, c'est une merveilleuse idée. On va la porter, en tout cas, nous, à l'IRD. On peut la porter aussi, peut-être, localement ici, hein, avec, pourquoi pas, dans le lycée, peut-être une pièce de théâtre hein, qui pourrait parler des enjeux de biodiversité dans la région du Languedoc. Je regarde le public, du coup. Maintenant, c'est un petit peu votre heure. On arrive bientôt au terme de l'émission. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu, les solutions concrètes, le dialogue? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour créer ces zones de protection? Bonjour, j'aurais voulu savoir comment étaient débloqués les fonds pour, par exemple, des projets comme pour la mangrove. J'imagine que derrière, il peut y avoir des actions. Et du coup, j'aurais voulu savoir comment ça se passait à ce niveau-là. Ok, alors le problème de financement, peut-être deux aspects, à la fois global et local. Je vois Julia qui lève le doigt. Julia, je te laisse la parole. Non, oui, je pense qu'on n'a pas assez parlé de financement. Toutes ces discussions sur le climat et la biodiversité parle des défis de financement. Je crois qu'il faut absolument qu'on essaye d'illustrer pourquoi ce sera un bon investissement d'investir dans la biodiversité. Il y a eu une étude au Vietnam qui parlait d'une zone côtière de 12 km de longueur qui a eu beaucoup de problèmes avec les tsunamis, etc. Donc la zone côtière devait être protégée. Quand on a prouvé que construire un mur, ça coûterait à peu près, je ne sais pas, je pense que c'était 11 millions de dollars pour protéger la côte, mais planter les mangroves, les planter bien sûr, d'un million de dollars avait plutôt bénéfice, y compris la protection de la côte, qui était le problème au début, mais aussi, évidemment, qu'on en avait dit avant, la pêche, la possibilité, le livelihood, comme on dit en anglais, la possibilité de donner le travail aux pêcheurs et de donner la nourriture très saine aux gens qui habitent autour. Donc, l'investissement était beaucoup mieux, non seulement puisque c'était beaucoup moins cher, mais ça a eu des co-bénéfices. Je crois qu'il faut absolument démontrer que c'est un investissement dans la biodiversité et le climat, les deux ensemble, beaucoup plus qu'avant. Ça a beaucoup de sens. Oui, des investissements rentables, essayer de convaincre les bailleurs que ce sont des investissements rentables. Une autre question peut-être dans l'Assemblée? Oui, Tatiana. Donc ma question c'était plus sur la biodiversité qui n'est pas utilisée, qui est un mot qui a été un peu dit. Il y a le palétuvier qui nous sert pour le poisson, pour en soi la biodiversité dont les personnes peuvent attirer quelque chose, mais les aires protégées, j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'objectif de protéger tout un ensemble
n'est pas que ça, en fait, il y a un peu un gap, une différence entre ces deux échelles-là, qui sont, ils partent de, localement des besoins et des inquiétudes sociales, mais il n'y a pas que ça, et comment se passe cette relation avec cette échelle-là. Merci pour cette question, peut-être Stéphanie, entre la biodiversité qui est utilisée et puis celle qui finalement est un petit peu mise sous cloche. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que en protégeant une partie de la biodiversité, c'est celle qui est utile, on a tout intérêt à la garder dans les espaces que les sociétés humaines vont utiliser. Mais en gardant cette biodiversité utile, eh bien, on crée des interactions biotiques avec la biodiversité qui n'est pas forcément utile directement, mais qui va créer un écosystème tout à fait intéressant pour les espèces qui ne sont pas nécessairement utiles. Donc la conservation de la biodiversité, c'est une sorte de cercle vertueux. Plus vous conservez de biodiversité, qu'elle soit cultivée, ordinaire ou tout à fait banale, plus vous aurez de biodiversité, par exemple de pollinisateurs ou de prédateurs, qui va pouvoir aussi vivre, se reproduire dans ces espaces-là. Donc il faut aussi avoir conscience, effectivement, que les interactions entre l'intérieur des aires protégées et les zones qui sont autour des aires protégées jouent un rôle très important. Plus la diversité est faible autour des aires protégées, plus on a des effets d'extinction et de diminution de la biodiversité à l'intérieur des aires protégées. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Effectivement, toute cette approche dynamique et aussi en termes de spatialité, ce ne sont pas des zones complètement déconnectées, c'est important. Peut-être une dernière question avant de conclure cette émission. Bonjour, j'ai une question un peu spécifique. Dans ma région, on a réintroduit le loup, donc la région iséroise, et ça pose énormément de problèmes aux éleveurs qui se font attaquer au niveau de leurs troupeaux, et avec des dégâts, des indemnisations forcément, mais qui sont sujettes à controverses. Il faut prouver que c'est bien un loup, pourquoi le loup a attaqué, est-ce que c'était assez pour les protéger, tout ça. Donc, pour le coup, le loup, c'est pas une espèce utile à l'homme directement, et pour autant, il a été réintroduit. Quel est votre point de vue, vous, sur cette réintroduction que moi, je trouve positive, personnellement? Alors, je sais pas si le loup d'Abyssinie arrive au Kenya, mais en tout cas, Wanja, je te laisse la parole. Oui, c'est un problème aussi pour nous qui ont plein des animaux sauvages. Et on a des mêmes conflits, par exemple, entre les éléphants et les éleveurs. Les fermiers. En fait, c'est une question qui est difficile au gouvernement à régler, parce que même quand on introduit les compensations, soit financières ou d'autres, le conflit continue. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas encore une solution qui est juste pour tout, pour les animaux et pour les humains. Mais pour certains endroits, ce qu'on a fait, c'est les barrières pour les éléphants. Mais ces barrières-là ne sont pas vraiment une solution durable, parce que les éléphants continuent à vouloir trouver leur paysage naturel. Donc, ce n'est pas un problème seulement pour les introductions comme le loup qui ont été là dans le même paysage. Donc, c'est une grande question de comment vivre en harmonie, how to live in harmony avec la nature. Du coup, je veux dire, dans certains endroits, c'est l'homme qui est trop proche des animaux. Dans l'autre côté, c'est les animaux qui essayent de retrouver leur paysage, leur zone de survie. Et du coup, je pense que ça sera toujours un problème, un conflit entre l'homme et les animaux. Mais pour trouver des solutions, il faut vraiment trouver des visions communes et des solutions en commun avec les agences de gestion. Merci beaucoup, Wanja. Alors, Stéphanie vient de nous glisser dans l'oreille qu'elle voulait apporter un petit complément, Stéphanie. Oui, je voulais répondre en partie à la formulation de la question.
Dire que le loup n'est pas utile à l'homme, c'est pas tout à fait vrai. Le loup est un super prédateur, il fait partie d'une chaîne alimentaire. Et lorsque le loup consomme, prédate certains animaux, certains mammifères qui peuvent parfois devenir très abondants, eh bien, il contribue à réguler des populations qui se situent en dessous de la chaîne alimentaire, et ce, parfois, et même souvent, dans l'intérêt des humains et des agriculteurs. Merci beaucoup, en tout cas, du dialogue à avoir, aussi du respect, je pense, entre humains et non-humains à avoir dans les prochaines générations. Ben voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Ça a été très vite, c'est passé vraiment très vite. Merci à toutes encore pour avoir été là. Je retiendrai en fait trois points clés, moi, de ce débat par rapport aux questions qu'on s'était posées au début. Un, la nécessité vraiment de comprendre les modes d'interaction, on l'a vu, entre les peuples qui vivent dans ces différentes zones et la biodiversité. Hein, la besoin encore de connaissances, notamment des sciences locales, et pour voir comment les populations locales maintiennent aussi cette biodiversité et comment elles peuvent être source de solutions durables pour notamment la restauration, puisqu'on voit que ces communautés s'adaptent déjà. Deux, le fait de créer des zones protégées, en fait, ça prend du temps, ça prend beaucoup de dialogue, ça prend beaucoup de respect entre les personnes. On a des manières de faire, on l'a vu notamment avec ces espaces forums, pour avoir véritablement une qualité de l'environnement, mais aussi une qualité des espaces ruraux, là où il n'y a pas forcément des zones dites protégées, mais qui est vraiment très importante. Et trois, je pense que c'est ce que Julie a dit dès le début, c'est-à-dire d'avoir une vision beaucoup plus globale, holistique, de la part notamment de nos politiques, pour qu'ils comprennent un petit peu mieux ce qui se passe sur le terrain, et avec sûrement des manières de leur parler de ça, et aussi d'avoir une vision plus globale des enjeux, biodiversité, climat, santé, tout ça c'est un même combat entre guillemets pour préserver cette vie sur Terre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émotion. Si vous voulez avoir cette émission, c'est l'émotion qui prend le pas sur l'émission. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site web www.ird.fr/helloworld. Je remercie chaleusement vraiment toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Un petit mot spécial pour Philippe, pour qui ça sera la dernière émission aujourd'hui. Participer à cette émission, donc toutes les personnes qui ont été présentes ici, l'accueil au niveau du lycée, et je pense l'interaction avec vous, ça a été vraiment quelque chose, un plus pour cette émission, d'avoir quelqu'un en face à qui parler, d'avoir ce retour de votre part. Vraiment un grand merci pour votre présence, et aussi un grand merci à nos invités pour leur temps aujourd'hui. Je vous donnerai rendez-vous au mois de mars pour la prochaine émission Hello World, qui sera spéciale sur l'eau, notamment par rapport au Forum mondial de l'eau qui aura lieu en 2022. Donc on compte sur vous, et d'ici là, nous tous, citoyens de la Terre, n'oublions pas de faire notre part. Voilà, je vous dis à bientôt.